mon grand-père s'est battu pendant la guerre de Sécession. Avant mon départ, il m'a dit comment rester en vie. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vu. De nouvelles machines de guerre, comme les chars, pouvaient transformer le champ de bataille du jour au lendemain. Heureusement, la plupart étaient dans notre camp. La plupart. Sir, Townsend, venez, vous allez adorer. Ça, on a besoin de gars en pleine forme par ici. D'accord, Jimmy. Feu ! J'ai consulté votre dossier. Et soyez tranquille, je suis prêt à me battre pour ma patrie. Tant que vous savez reconnaître la marche avant de la marche arrière, moi ça me va. Allez, prenez ça. Je vais vous présenter Big Bess, la femme de vos rêves. C'est notre nouveau pilote, les gars. Portez ! Oh non, 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 faut pas jurer. Elle aime pas trop quand on jure. Finch. Edward. C'est ta première fois ? Hé, hey, de quoi tu parles ? Fiche-nous la paix, MacManus. T'inquiète pas, elle veillera sur toi, d'accord ? Bien, les gars. Là, c'est pour de bon. Nos ordres sont de percer la ligne allemande et de détruire au passage leur position d'artillerie. Finch, tout de suite. Continuerons d'avancer vers la ville de Cambrai, où on m'a assuré qu'il y aurait du vin, des femmes et des chansons, ce qui devrait vous plaire. Ah, MacManus. Bon Dieu, vous êtes sûr qu'il sait conduire au moins ? C'est bon, MacManus. Compris, les gars. Faites votre boulot. Veillez les uns sur les autres, et Bess veillera sur vous. Et que le Seigneur ait pitié de nos âmes. On sortira tous ensemble, pas vrai, Edwards ? Oui, bien sûr. Plein gaz, pilote ! Du calme, ce pigeon pourrait vous sauver la vie. C'est notre seul moyen de communication. Ça va là-haut, Edward ? Oui ! Je commence à attraper le coup ! Tu faisais quoi au pays ? Je conduisais ! Une voiture ! J'étais chauffeur ! Halte ! Nous sommes assez loin ! L'infanterie avancera au premier coup de sifflet ! Ensuite, ce sera notre tour ! Dieu du ciel !
Quelqu'un a déjà vu une chose pareille? Moi, oui. Hélas. Écoutez, nous allons détruire les canons qui sont près de ce moulin. Laissez du champ à nos hommes! Voilà le signal. Plein gaz! Vous voyez ce char, Edward? Ne nous embourbez pas comme il l'a fait! Nous avançons lentement! Qu'est-ce qui se passe, Finch? Le moteur va bien, sir! C'est la boue! Concentrez les gars. Je donne du rap aux pigeons.
Il a pas l'air dans son assiette. Les sept pigeons sont Richard. C'est notre seul lien avec le QG. Et toi, Edward? Un petit coup pour reprendre des forces? Non, je bois pas. Je vous amuserai une fois qu'on sera à Cambrai, les gars. Le blindage est pas éternel, le nouveau. Jonas et Finchy est mort. Nakmanus, ressaisissez-vous. Amenez-nous à ce village, pilote. C'est là que leur artillerie est retranchée.
comme ça, les gars. C'était le dernier. Le village est à nous. Je suis en train de me faire un peu de temps.
Edward ! Lâchez le pigeon ! C'est un ordre, mon garçon, vous comprenez ce que je dis ? Oui ! Attrapez-le! Il arrive! Les ordres, venant du front. C'est Hansen. Ordre de tirer! Trois, quatre, trois, trois! Dépêchez-vous! On bouge, on bouge! Ce sera bientôt la fin. Content d'avoir servi avec vous. Vous avez une veine de pendu, Tansen. Vraiment? Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Des ordres aveugles? Et le hasard? Dans tous les cas, on va y passer. Je ne peux plus vous entendre, MacManus. C'est bien clair. Très bien, sœur. Edwards, démarrez. C'est l'arrivée des sens. Et pitié de nous, et pitié de nous, et pitié de nous. S'il te plaît, baisse, s'il te plaît, baisse. Arrête, s'il te plaît, arrête. C'est bon. Vous allez rester planté là. Je ne vois pas à plus de 20 mètres. Nous progressons. Edwards, je vais conduire. Sortez et partez en éclaireur. On ne joue pas les héros, compris? Tâchons de tous arriver en un seul morceau, d'accord, Edwards?
Oh, scheiße, ist das kalt. Vous allez devoir veiller sur nous. Bess est en piteux état. On a failli la perdre. Selon la carte, on devrait bientôt être sorti de cette satanée forêt. On doit d'abord traverser le pont qui est ici, et ensuite ça devrait... Les Allemands ! Il faut s'occuper d'eux ! Aide-moi ! Recouvrez-vous ! Oh, on va faire un peu de temps.
calme, hein. Ah,
Très bien, ça suffira pour la journée. Edward, rappel, prenez les commandes, touche en camp d'ici. Edward, vous avez donné un coup de pied dans la fourmilière. Arme prête et en avant, sortez-nous d'ici. Change les bougies. Vous devez localiser le village. Alors, vous le voyez? Vous voyez le village? Oui. Oui, je le vois. Et dites-moi si vous voyez nos chars. Est-ce que vous voyez nos chars là-bas? Edwards. Oui. Mais ce ne sont plus les nôtres maintenant. On dirait que, pour le réparer, on va devoir aller dans ce village. Très bien. Allons-y, Edward. En route. Bonne chance. On sera mort avant l'aube, et le char bougera pas. C'est foutu. Quoi? Vous voulez qu'on abandonne la mission? C'est pourtant clair, Finch, Pritchard, nous tous. Tout le monde s'est fait avoir. Si c'est ce que vous voulez, McManus, foutez le camp! Je vous interdis de me parler comme ça. J'ai plus de missions à mon actif que vous n'en aurez jamais! Et foutez-nous la paix! On va s'en sortir tous ensemble. On va s'en sortir tous ensemble, tu parles. Allez, trouver les pièces, réparer le char, ne pas mourir.
Joli coup. Un de moins, il en reste trois. On est à mi-chemin. Allez, plus qu'un.
Entends-tu te dire ? C'était le dernier. Allons retrouver Bess. Je crois que j'ai fait fausse route. Oui, on s'est tous un peu égarés. Eh ben, montrez-nous la voie. C'est pas vous le pilote ? C'est du joli travail, les gars. Ouais. On s'en sort pas mal. C'est bon, j'ai terminé. Alors, on la remet en route. J'ai toujours fait ce qu'il fallait! Vraiment tout! Dans ma putain de vie! Toute ma vie, je me suis attaché à suivre les règles! Suivre les règles! Alors, qu'est-ce que tu me fais? Espèce de putain, de putain de saloperie de machine! Allez! Allez, baisse! Ressaisis-toi, tu peux pas m'abandonner! T'es une battante! Alors maintenant, tu te bats! On dirait qu'elle est trop départ comme ça.
bien, Edwards. Le rendez-vous est au-delà de ces collines. Il faudra faire attention à ce village-là en bas. Très bien, les gars. Accrochez-vous. On y va. Sur la gauche, des chars capturés entrent dans le village. Attention. Nous sommes derrière les lignes Bosch maintenant. Impossible de savoir ce qui nous attend. Eh ben, c'est encourageant. Allez, les gars. On a tenu bon jusqu'ici. C'est pas pour arrêter maintenant. Bess nous a amenés ici. Elle nous mènera au bout du chemin si on fait notre travail. Gare de triage de l'autre côté de cette colline. On cherche la grande route située derrière. C'est un point de rassemblement. Ils se préparent à reprendre Cambrai. Alors on fonce à travers. Et quoi? On les laisse surprendre les nôtres au point de rendez-vous? Alors, quel est le plan? Nous avons l'initiative. Si on frappe vite et fort ici, on peut leur porter un sacré coup. Allons les massacrer! Avancez! Continuez à les déboussoler et espérons qu'ils ne comprendront pas qu'il n'y a que nous! Thank you.
reste, Edwards. Quoi? Je prive l'ennemi d'abri. Écrasez-les s'il le faut.
protégé à découvert. La portée est bonne. Une forteresse mobile. Alignez-moi. Cet amusement qui me fatigue. Allez! De l'artillerie! Roulez, roulez! Quoi maintenant, Pilate? On marche.